Si les 4 derniers matchs, Lyon, c'est 2 nuls et 2 défaites, avec un tel bilan, Lyon se dirige directement en Ligue 2. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lyon, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Lyon a viré Laurent Blanc. Ils ont viré Laurent Blanc en croyant que en virant Laurent Blanc, ça va améliorer les choses. Mais force est de constater que les choses ne s'améliorent pas. Les choses ne s'améliorent vraiment pas. Lyon, actuellement, ils sont avant-dernier. 17e de Ligue 1, les amis. 17e. C'est vraiment catastrophique. Sur les 4 derniers matchs, 4 derniers matchs, Lyon, c'est 2 nuls, 2 défaites. 2 nuls, 2 défaites. Lyon a, je pense, 2 points en 8 journées. C'est hyper faible. C'est vraiment hyper faible, les amis. Avec un tel bilan de torture, ils vont vraiment jouer la Ligue 2. Est-ce que Fabio Grosso, il a les arguments pour pouvoir renverser la vapeur? Moi, j'en doute très fort, les gars. J'en doute vraiment très fort. Sur le papier, Lyon a l'effectif, hein? Ils ont l'effectif sur le papier. Tu as les Tolisso, tu as la Lacazette, tu as les Cacré, tu as le gardien, c'est qui? Lopez. Tu as des mecs confirmés. Mais sauf que, en termes de résultats, ça ne suit pas derrière. Ça ne suit pas. Et moi, je suis vraiment inquiet pour Lyon, les gars. Ce n'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de confiance. Lyon manque cruellement de confiance. Il manque cruellement de confiance. On l'a encore vu face à Lorient. C'est inadmissible que tu mènes 3 buts à 1. Tu mènes 3 buts à 1 et tu te fais rejoindre bêtement 3-3. Tu perds 2 points. Tu perds 2 points bêtement. Donc ce n'est pas une histoire de talent. Pour moi, Lyon manque cruellement de confiance. Ils sont vraiment affectés. Et Fabio Grosso, moi j'ai des doutes parce que même quand il était en Serie B, il n'a pas fait des choses extraordinaires. Certes, il a fait monter Frosinone, mais Frosinone, ce n'est pas la Ligue 1. La Serie B, ce n'est pas la Ligue 1. Ce n'est pas un mec qui a fait des choses extraordinaires. Moi, j'aurais souhaité encore voir Christophe Galtier. Christophe Galtier, pour moi, il pouvait faire l'affaire, mais Grosso, je trouve que en termes d'expérience, il n'a pas assez d'expérience pour pouvoir sortir Lyon du marasme. Oui, c'est un ancien joueur de Lyon, il a joué à Lyon, etc. Mais est-ce que parce que tu es un ancien joueur de Lyon, forcément tu seras un grand entraîneur ou un bon entraîneur? Je suis très sceptique sur Fabio Grosso. Très sceptique. Lyon actuellement, c'est 17e de Ligue 1. 17e, les gars. Je ne sais pas si on se rend compte. 17e. Pourtant, Lyon a remporté des titres. Hein. Je me rappelle de Lyon de. Les Chris, les Gouvou, les Karim Benzema, les Dorasso, on ne voit plus ce Lyon. Le Lyon de Juninho, on ne voit plus ce Lyon. Est-ce que ils vont jouer les places européennes? Pour moi, non. Est-ce qu'ils vont descendre en Ligue 2? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas vraiment exclu parce qu'on a vu des équipes légendaires comme Saint-Étienne descendre. On a vu des équipes comme Saint-Étienne descendre, les gars. Bordeaux descendu, Saint-Étienne descendu. Donc, rien ne nous dit que peut-être que c'est le tour de Lyon. Peut-être que c'est le tour de Lyon. Ce n'est pas exclu. Parce que, avec un tel bilan, un bilan de 2 nuls, 2 défaites sur les 4 derniers matchs, ça, c'est un bilan de relégable. C'est un bilan de relégable, les gars. Et si Lyon ne se méfie pas, ils vont descendre en Ligue 2. Et c'est vraiment dommage parce que Lyon, c'est un grand club. Lyon, c'est un club, je pense, qui a joué les demi-finales de Ligue des Champions. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont joué les demi-finales. Si je ne dis pas de bêtises, donc c'est un club qui compte. C'est un grand club européen. C'est juste que ils sont victimes de la mauvaise gouvernance. Lorsque tu ne fais pas les choses bien, à un moment donné, tu le payes cash. Et Lyon est en train de payer. Il paie sa mauvaise gouvernance. Parce que sur le papier, Lyon n'est pas pire. Lyon n'est pas pire sur le papier.
C'est juste que la mauvaise gouvernance le joue un sale tour. Après, j'espère qu'ils vont se relever parce que moi, je souhaite voir Lyon en Ligue 1 la saison prochaine. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Lyon va descendre en Ligue 2? Dis-moi tout, donne-moi ton avis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!